Les couverts végétaux, composés de légumineuses, graminées ou crucifères, semés seuls ou en mélange, représentent une aubaine pour les brebis. En région céréalière, les cultures intermédiaires, pièges à nitrates, répondent à une exigence réglementaire et leur pâturage réduit les charges à la fois sur les ateliers ovins et sur les ateliers céréaliers de l'exploitation. Mais leur rendement est soumis aux conditions climatiques estivales, essentiellement la pluviométrie. Et sans eau, pas de couvert. Un mois et demi à deux mois après le semis, le couvert est prêt à être pâturé. Les brebis sont cependant rentrées sur le couvert avec le ventre plein, puis pâturent jour et nuit sans aucune transition alimentaire. Bien évidemment, sous réserve d'avoir semé des espèces non météorisantes et la mise à disposition de foin ou de paille est complètement inutile. Quelle que soit la catégorie d'animaux, il est inutile d'ajouter du concentré à la ration. Les couverts végétaux présentent une bonne valeur alimentaire au cours de l'automne et du début d'hiver qui suivent leur implantation. Avec environ 0,9 UFL et 90 g de PDI par kilo de matière sèche, cette dernière est équivalente à celle de repousse d'herbe d'automne et largement supérieure à un foin de première coupe. Au final, avec cette ressource, les brebis maigres reprennent de l'état et les brebis en bon état se maintiennent même en fin de gestation. En automne, les brebis sont paisibles et en bonne santé, sous réserve bien sûr qu'elles disposent d'une ressource alimentaire suffisante. Les différentes mesures et notations liées au bien-être animal et à la santé enregistrées au cours des études sur le sujet n'ont mis en évidence aucun problème de santé majeur qui serait lié au pâturage des couverts végétaux. Ainsi, la proportion de brebis présentant des boiteries sévères reste inférieure à 1%. D'autre part, les brebis sont propres et aucune souillure n'a été relevée au niveau des flancs. De plus, quelles que soient les conditions météorologiques, la laine joue son rôle de protection. Toutes les toisons restent sèches côté peau, même en période d'intempéries. Attention toutefois aux toxémies de gestation lorsque ces dernières sont rentrées en bergerie.